Dans cette vidéo, je vais pas faire semblant de faire des trucs de ouf. À chaque fois, je regarde aussi des vidéos de 24 heures d'entrepreneurs, de gens sur YouTube. Ils font genre, ils ont une vie de ouf et ils font des trucs de fou dans la journée. Voilà, il arrive que de temps en temps, je fasse des trucs de fou dans la journée et que je fasse des trucs stylés, mais la plupart du temps, c'est juste une journée basique. Donc là, je vais vous montrer ma journée basique et ne pas essayer de vous vendre du rêve parce que oui, on est des êtres humains et on ne fait pas toujours des trucs de fou toute la journée. Donc les gens qui font croire que toute la journée ils font des trucs de fou, que tous les jours ils vont aller faire du surf ou je sais pas quoi, et qu'en même temps ils travaillent pas, c'est faux. C'est juste une journée de ouf qu'ils font bah, dans la semaine ou dans le mois, mais voilà. Moi aussi je fais des activités, mais la plupart du temps je travaille et je mange tranquillement dans des restaurants, mais je fais pas des trucs, des montgolfières, etc. Petite reconstitution de ce que je fais quand je me lève. Donc bah je me lève tout simplement, puis je me prépare à la salle de bain et ensuite je prends mon petit-déj. J'ai pas de routine spécifique en mode faire du yoga ou des trucs comme ça parce que je suis quelqu'un d'assez calme en général, donc je pense que la méditation et le yoga ça m'aide pas trop. Ce que je fais c'est que je prépare juste ma journée la veille et le matin du coup quand je me réveille je sais ce que je vais faire dans la journée. Donc là je vais partir visiter un nouveau quartier à Bangkok qui s'appelle Ekamai. Donc on va prendre un taxi et on va se retrouver dans un café pour prendre le petit-déj. A tout de suite. Donc pour commander des taxis à Bangkok, c'est très simple, vous avez une application qui s'appelle Grab, ça permet de prendre un taxi et de mettre le point, c'est comme Uber, et ils vont nous chercher, c'est vraiment pas cher, ça doit être 3€ pour 20 à 30 minutes de trajet, donc vraiment très peu cher, et vous avez également la possibilité d'acheter de la nourriture et de commander de la nourriture sur cette application, mais moi j'utilise personnellement Foodpanda qui a plus d'images et qui a plus de contenu en anglais, donc voilà. C'est parti, du coup je commande le taxi et on va tout de suite se rendre au café à Ekamai. De rentrer de ma visite de Ekamai, et donc Ekamai, pas trop aimé le quartier, c'est juste à côté de Tonglor, donc si vous allez en Thaïlande, je vous recommande plutôt d'aller à Tonglor. Là-bas, il y a vraiment un quartier avec des cafés, de la verdure et vraiment tout un truc un peu hipster, mais Ekamai, c'est vraiment que des immeubles, et bah c'est comme Bangkok, sauf que c'est un peu isolé de tout. Donc vraiment, Ekamai, j'ai pas trop aimé, mais Tonglor, vraiment, c'est pas mal, et c'est juste à 20 minutes à pied de Ekamai, donc je vous recommande plutôt d'aller à Tonglor. Voilà, j'ai fait des petites vidéos, j'ai filmé un petit peu le quartier pour faire un vlog sur YouTube ensuite. J'en ai profité pour aller dans un café. Ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien en fait aller dans des cafés, travailler dans le café. Et en fait, bah, du coup, ça me fait aller dans un endroit et en même temps, je peux travailler. Donc, je suis productif, mais en même temps, je visite le pays.
Donc, par exemple, là, dans 3 jours, je vais aller à Bali. Comment est-ce que je vais visiter Bali? Bah, je vais simplement tester des cafés dans différents quartiers. Et comme ça, je vais pouvoir travailler tout en visitant. Donc, c'est vraiment pas mal si vous voyagez et que vous travaillez tout en voyageant pour réussir à garder un rythme. Pour vous parler de ma routine de sport, donc normalement, là, il est 10h30. Je vais au sport soit le matin, soit l'après-midi. Voilà, je me fixe, c'est pas forcément une routine très stricte. Si j'ai envie de travailler le matin et d'aller au sport l'après-midi, j'y vais. Sinon, j'y vais le matin et je travaille l'après-midi, etc. Je fais entre 3 et 5 séances par semaine. Donc 5 séances maximum, 3 séances minimum. Là, actuellement, je suis dans un quartier un peu isolé, j'ai beaucoup de travail, donc je fais pas trop de sport. Et voilà, aujourd'hui, vous n'allez pas le voir parce que c'est ma journée de repos. Et comme dit, je travaille beaucoup, donc je fais pas trop de sport. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur mon ordinateur juste ici. Et je vais du coup m'occuper de mes chaînes YouTube automatiques, donc c'est-à-dire que je vais regarder les scripts qu'on m'a envoyés, je vais regarder les voix off et je vais tout gérer avec le drive et tous mes freelances et toute ma team de prestataires. Donc voilà, je vais leur donner la voix off pour qu'ils éditent la vidéo, je vais un petit peu leur dire quoi faire, je vais m'occuper des prochaines vidéos, je vais publier les vidéos, je vais faire le SEO sur YouTube, je vais regarder un petit peu les statistiques de la chaîne, analyser, etc. Donc voilà, il y a pas mal de différentes choses à faire. C'est en fait la gestion de chaîne YouTube automatisée, la gestion de prestataires et la gestion de publication de vidéos, etc. Donc je vais faire ça pendant 1h30 et après je vais aller manger. Donc là, je vais partir travailler directement sur mon ordinateur. Et sinon, des fois, je fais des montages aussi pour mes business, pour mon business de coaching sur YouTube. Donc voilà, je vais faire des reels aussi de temps en temps sur tous les réseaux que je vais reposter. Je vais faire des vidéos comme cette vidéo ici pour YouTube. Et voilà, l'objectif, c'est d'avoir des clients pour vendre mon coaching de YouTube automatisation et du coup faire des vidéos également pour vous expliquer le business model que je trouve que pas beaucoup de gens en France connaissent. Je viens de finir de travailler, donc là il est 11h59. Je vais aller manger dans un centre commercial tout seul, donc il faut savoir que je voyage tout seul à Bangkok actuellement, donc ça fait 2 mois que je suis tout seul. Et du coup je mange tout seul, je vais dans des centres commerciaux tout seul, etc. Et des fois je rencontre des gens et je vais manger avec des gens, mais voilà. Pour ceux qui veulent voyager tout seul, n'hésitez pas à voyager tout seul. Au début, c'est un peu difficile d'aller manger tout seul, etc. Mais après, ça va mieux. Et ça vous forge pas mal le caractère. Et c'est bien pour progresser. Donc voilà, là, je suis dans un quartier un peu bizarre. Il y a des hôpitaux, etc. C'est au nord de Tonglor à Bangkok. Donc du quartier Tonglor. Mais voilà, c'est pas mal. Il y a des Starbucks. Il y a des magasins qui s'appellent Au Bon Pain. Ils aiment bien les trucs français ici, les croissants, etc. C'est vraiment un truc de ouf comme ça marche bien en Asie. Voilà, il y a plein de magasins, de Burger King, etc. dans le centre commercial. Ici, de toute façon, il y a des centres commerciaux dans tous les quartiers avec des restaurants et des cafés. Donc voilà, on se retrouve là-bas pour aller manger un petit truc. Je viens de finir de manger, donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler, en fait ça dépend de toutes les journées. Il y a des journées où je vais travailler, il y a des journées où je vais chill, il y a des journées où je vais faire du sport. Ça dépend, mais là aujourd'hui je vais travailler, donc travailler dans des cafés. J'aime bien sortir et travailler dans des cafés assez stylés, prendre un cappuccino ou un jus et dans une bonne ambiance avec des plantes à Bangkok. Il y a pas mal de cafés. Le problème à Bangkok, c'est que le pire problème même de Bangkok, c'est la circulation. Donc faut pas que le café soit trop loin parce que des fois, pour faire 1h30 à pied, vous mettez 2h30 en voiture. La dernière fois, j'ai fait 2 heures de voiture, alors qu'à pied, ça m'aurait mis 1h30. Donc, ouais, il y a vraiment des bouchons de fou des fois. Et c'est vraiment le plus gros problème de Bangkok, c'est la circulation. Donc, essayez de faire des trucs qui sont pas trop loin. Ce que je vais faire du coup cet après-midi niveau business, c'est que je vais republier des vidéos YouTube sur Facebook. Donc, je le fais quasiment tous les jours dès que j'ai des vidéos. Et en fait, c'est un truc qui est très peu connu, mais sur Facebook, il y a aussi la monétisation. Donc vous pouvez simplement reposter les vidéos YouTube sur Facebook, c'est un petit tip que je vous donne, ou créer une page, même nom de chaîne que votre chaîne YouTube, et vous republiez les vidéos Facebook. Et parfois il y a même beaucoup plus de vues en fait, parce qu'en fait Facebook, vu que personne ne sait qu'on peut gagner de la monétisation, il y a très peu de personnes qui font du contenu sur Facebook, pourtant il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont sur Facebook. Donc il y a moins de créateurs de contenu pour plus d'utilisateurs, et donc vous faites beaucoup plus de vues. Pour vous donner un exemple, j'ai une chaîne qui a 10 000 abonnés sur Facebook et qui n'en a que 4 500 sur YouTube, alors que j'ai commencé sur YouTube bien avant et que j'ai plus de vidéos sur YouTube encore.
Voilà, après, bien sûr, YouTube paye beaucoup moins la monétisation que. Enfin, Facebook paye beaucoup moins la monétisation que YouTube. Mais voilà, vous pouvez avoir beaucoup plus d'abonnés, donc ça dépend. Et bah, ça coûte rien de republier la vidéo. Même parfois, Facebook est un peu chiant parce qu'il refuse la monétisation. C'est beaucoup plus dur d'avoir la monétisation que YouTube. Mais voilà, ça coûte rien. Et sinon, vous pouvez rediriger ces personnes vers votre YouTube pour gagner de l'argent sur la monétisation YouTube et avoir des personnes qui viennent de Facebook vers YouTube. Donc, c'est toujours intéressant. Que je fais aussi tous les jours, c'est que je publie un Reels sur tous les réseaux. Donc voilà, une fois par semaine, je vais faire un tournage en fait de 7 Reels où je vais me filmer en format téléphone. Je vais préparer vraiment des vidéos qualitatives. Ensuite, je vais faire le montage. Donc ça me prend à peu près 5 heures par semaine. Et ensuite, tous les jours, je publie un Reels donc sur YouTube, TikTok, LinkedIn, Facebook, voilà vraiment partout, Instagram. Et bah, ça me rapporte des clients pour YouTube automatisation. Donc si vous avez un business, je vous recommande de faire ça. Donc là, je vais publier cet après-midi parce qu'il y a 5 heures d'écart avec la France et du coup, il faut que je publie un peu plus tard à Bangkok pour que les gens qui sont en France le voient et soient pas en train de dormir par exemple. Donc voilà, il est 20h, du coup, j'ai commandé de la nourriture sur Foodpanda. Il faut savoir que moi, je cuisine jamais, donc Foodpanda, c'est l'application pour commander. Voilà, j'ai commandé du poulet avec des frites. Et donc voilà, bah, je vais arrêter de travailler pour ce soir. Ça dépend des journées, des fois, je travaille le soir et je chill un peu l'après-midi. Là, je vais plus chill un peu le soir et même je suis un peu KO parce que je me suis levé très tôt ce matin, donc je vais sûrement d'ailleurs aller dormir. Donc ce que je vais faire encore juste avant d'aller dormir, c'est que je vais noter dans mon bloc-notes. Donc moi, j'ai pas un truc bloc-notes avec un stylo, mais je note sur mon bloc-notes de Mac. Donc je note sur le Mac et sur l'iPad ou sur le téléphone. Et vu que j'ai que des outils Apple, bah, c'est lié entre eux et donc j'ai un bloc-notes sur tous mes outils. Et donc, bah, je vais noter ce que je vais faire pour demain et ce que je vais faire demain. J'ai aussi fait quelques recherches sur Bali avant, donc qu'est-ce que je vais faire à Bali, quels sont les cafés stylés, quels sont les endroits stylés, etc. Puisqu'il faut quand même faire un petit peu un minimum de recherche et pas tout faire à l'aveuglette, sinon vous allez trouver des endroits qui sont pas ouf. Donc, il faut toujours aller dans des endroits stylés, d'endroits stylés en endroits stylés quand vous voyagez dans un nouveau pays. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus également sur du coaching YouTube, j'ai du coaching YouTube, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous. Et vous pouvez réserver un appel gratuit où je vous explique le YouTube Business Automatisation. Donc voilà, cliquez sur le lien. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel type d'autres vidéos de vlog vous voudriez. N'hésitez pas à aimer la vidéo également. On se retrouve dans un prochain vlog ou dans une prochaine vidéo sur YouTube. Ciao!